Bonjour entrepreneur, bonjour YouTube, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Que vous lancez dans le trading ou vous êtes déjà lancé dans le trading, vous n'êtes pas passé à côté des personnes qui vous ont dit que plus de 95% des traders perdaient sur les marchés financiers. Alors au-delà du fait que ce chiffre aujourd'hui est faux et statistiquement prouvé, eh bien on va parler de pourquoi il y a plus de 75% de traders perdants sur les marchés financiers dans cette vidéo. C'est parti! Bon, bah heureusement, ce chiffre aujourd'hui est faux. Hein. On n'est pas à 90, on n'est pas à 95% de traders perdants. J'ai fait le comparatif, j'ai fait le tour déjà de tous les courtiers. J'ai fait le tour des 4 courtiers principaux, IG, FXM, Admiral Market, XTB. Et on est à l'unanimité sur une moyenne de 74% des particuliers, des traders particuliers qui perdent leur argent sur les marchés financiers. Alors bien évidemment, on est loin des 90-95%, on n'est pas non plus sur absolument 25% de probabilité que vous allez réussir dans tous les cas, mais on a cette statistique qui nous dit que 74% en moyenne des investisseurs perdent leurs capitaux. Déjà, pour comprendre un peu la statistique et pour vous comprendre que cette statistique est fausse dans tous les cas, c'est qu'elle ne met pas en évidence les bons chiffres. Première question, combien de capital, combien de comptes de trading détient un trader? Moi personnellement, j'ai commencé avec 2 comptes que j'ai crashé, puis j'en ai eu un autre sur lequel j'ai pu enfin devenir rentable, j'ai changé, etc. Mais il m'a fallu 2 comptes crashés pour être rentable. C'est-à-dire qu'en gros, il m'a fallu donc à moi seul 75% de ma perte en capital pour pouvoir réussir. Donc finalement, moi-même le premier, je nourris cette statistique. Donc première chose, ça ne prend pas en compte le nombre de capital que les traders vont créer. Deuxième chose, ça ne prend pas en compte, et ça c'est extrêmement important, ça ne prend pas en compte le capital du trader. Effectivement, il y a eu des statistiques qui ont été faites, la probabilité de gain d'un trader en moyenne n'est pas du tout la même en fonction de la taille du compte, ce qui est tout à fait normal. La psychologie ne sera pas la même. Quelqu'un qui va investir 5000 euros sur les marchés financiers par rapport à quelqu'un qui va investir 500 euros sur les marchés financiers ne sera pas du tout la même. Sa détermination, de manière générale bien évidemment, sera beaucoup plus importante et il sera beaucoup plus voué à réussir parce que psychologiquement, il aborde son capital en termes de sécurité. En général, quelqu'un qui a un capital de 500 euros va plutôt chercher la surperformance, avec un risque plus élevé, certes parce qu'on veut gagner plus vite, plus, mais surtout parce qu'on estime que son capital n'est pas suffisant pour vivre du trading encore une fois. Évidemment, on ne vit pas du trading avec un capital de départ de 500 euros les premiers mois, mais c'est un travail encore une fois, petit à petit, pour ensuite accumuler des performances. Troisième élément qui fausse complètement dans tous les cas ces statistiques-là, c'est l'éducation du trader. Effectivement, lorsqu'on veut trader, combien de temps s'est formé le trader en question? 1 mois, 2 mois, est-ce qu'il a été dans une école, est-ce qu'il a suivi une formation, est-ce qu'il a suivi un apprentissage poussé, est-ce qu'il a pris un compte de démonstration avant, etc., etc. Vous l'aurez compris, ce n'est pas possible aujourd'hui de vraiment déterminer quelle est la vraie probabilité de gain, la probabilité de succès. Bien évidemment, il va y avoir quand même une énorme partie de traders qui vont perdre leurs capitaux et qui ne vont pas réussir sur les marchés financiers sur du long terme. Pourquoi? Et bien parce que j'estime que malheureusement, l'image du trading aujourd'hui est de sorte à ce que j'ai envie de gagner de l'argent très rapidement, vite et sans beaucoup de travail, et ben je pense au trading. Et malheureusement ça, c'est dû à énormément de vidéos que vous pouvez voir sur internet, de personnes qui vous mettent en avant leur richesse, qui vous font croire que le trading c'est simple. Mais dites-vous bien une chose, le trading c'est un métier. C'est comme si demain vous êtes salarié, je sais pas, administratif, et vous me dites, bah moi, du jour au lendemain, j'ai envie d'être boucher, et dans 1 mois, j'ouvre ma boucherie. Bah, absolument pas. Ce n'est pas logique et ce n'est pas réfléchi de prendre une décision pareille, parce qu'il faut passer des diplômes, il faut passer des certifications, il faut se former au métier de la boucherie pour ensuite pouvoir et bien ouvrir sa propre boucherie et vivre de son business. Le trading, c'est exactement pareil. On a besoin de temps de se former sur les marchés, que ça soit en autodidacte ou que ça soit en école, peu importe, il faut du temps et ce temps-là est nécessaire pour développer les capacités à pouvoir trader par la suite. Donc, se dire « je vais me lancer du jour au lendemain dans le trading sans aucune formation »,
Aujourd'hui, c'est du suicide. C'est moi ce que personnellement j'ai fait. Je me suis lancé avec un minimum de connaissances. J'ai cramé mon capital de départ de 500 euros en 2 jours. 2 jours seulement. Alors, il y en a qui vont mettre 1 mois, il y en a qui vont mettre 2 semaines, il y en a qui vont mettre 1 semaine. Moi, personnellement, j'ai commencé alors qu'il y avait des leviers de taille énorme. On pouvait aller jusqu'à 500 effets de levier. C'était immense et ça me permettait donc de prendre énormément de risques sur mon capital. Bilan de l'histoire, je prenais beaucoup de risques, je n'avais pas de plan, je n'avais pas de stratégie et donc forcément, je cramais mon capital 2 fois de suite. Qu'est-ce que j'en ai gardé comme souvenir finalement? Eh bien, je me suis dit, il était trop tôt pour commencer le trading. En réel, j'aurais dû me former beaucoup plus avant. Alors, on est humain, on a besoin de prendre une claque avant de vraiment savoir eh bien, sur quoi nous devons travailler. En attendant, eh bien, il m'a fallu du temps pour me dire, ok, je dois travailler sur la gestion de risque, je dois travailler sur l'analyse technique, je dois travailler, etc., etc. Et petit à petit, au fur et à mesure de mes erreurs, j'ai compris donc eh bien, mes lacunes sur lesquelles je devais me concentrer. Et j'en vois beaucoup malheureusement qui vont chercher des excuses de se dire « Oui, mais personne ne peut gagner au trading parce que c'est du casino finalement. » Non, c'est parce que tu es mauvais. De toute façon, les courtiers ils vont arnaquer les indépendants. Non, c'est parce que tu es mauvais. Et de toute façon, on ne peut pas gagner parce que statistiquement, on n'est pas rentable dans tous les cas. Non, encore une fois, parce que tu es mauvais. Pourquoi on est mauvais? Parce qu'on ne se concentre pas sur l'essentiel. Au début, en tant que trader indépendant, on est naturellement mauvais. Et il faut accepter de ne pas être bon au début. Mais accepter et reconnaître d'être bon, c'est avant tout se concentrer sur ce qui va nous rendre bon et meilleur dans un futur proche ou moins proche. La principale qualité d'un trader, c'est la patience. La patience d'attendre des opportunités, la patience de se former, la patience de rester devant son écran sans forcément initier une position. La patience de toujours aller plus loin dans son apprentissage et de toujours se remettre en question. Si vous ne remettez pas en question, vous ferez partie des 75% qui perdent leurs capitaux parce que vous n'irez pas plus loin que vos défauts et vous allez vous arrêter à des préjugés sur le trading qui sont complètement faux. Je vous donne 3 conseils maintenant dans cette vidéo pour arrêter de faire partie des 75% des traders perdants. Premier conseil, formez-vous longtemps. Arrêtez de penser que parce que c'est bon, vous savez lire une tendance, que vous savez tout sur le trading. On ne peut jamais savoir tout et la formation d'un trader se fait tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour finalement où vous n'allez pas apprendre quelque chose de nouveau. Chaque nouvelle séance, c'est toujours des connaissances supplémentaires sur ce qui se passe à l'instant T. Formez-vous, formez-vous, formez-vous et n'arrêtez pas de vous former jusqu'à ce que vous arrêtiez le trading tout court. Que ça soit lire un livre, que ça soit regarder une vidéo YouTube ou que ça soit même s'entraîner sur différents actifs, c'est extrêmement important de pouvoir se former tout au long de son aventure sur les marchés financiers. Deuxième chose, fixez-vous un objectif réaliste. Il y en a beaucoup qui vont me dire, moi mon objectif c'est 100% tous les mois. Alors, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais faites ne serait-ce que 5% tous les mois de manière régulière pendant 1 an. Et après on en reparle. Pour faire des performances plus importantes, avec un risque modéré, il faut des connaissances plus importantes. Et donc naturellement, lorsque vous débutez sur vos premières années de trading, vous n'êtes pas dans cette capacité à atteindre autant de performances d'un coup. Et donc c'est pour ça qu'il faut adapter son objectif mensuel pour pouvoir être le plus réaliste possible. Dites-vous bien encore une fois que si vous faites 5% de performance tous les mois pendant 1 an, ce qui équivaut à 60% de performance dans l'année, eh bien vous faites partie des meilleurs traders aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est pas de surperformer, c'est d'être là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. C'est d'être régulier. C'est d'avoir une performance qui est stable et pas qui fait un yo-yo de 100%, moins 20, plus 200, plus moins 300, etc., etc. Troisième chose, arrêtez de changer de stratégie. Je l'ai longtemps fait, ça sert à rien, ça fait perdre du temps et pire encore, ça vous modifie votre méthodologie, votre façon de penser. Fixez-vous une stratégie, une méthodologie et tenez-vous-y. Bien évidemment, si ça ne marche pas du tout, changez-la. Mais si ça marche de temps en temps pour vous, mais qu'il y a des moments où vous n'arrivez pas à gagner, dites-vous que le problème, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la stratégie, c'est vous. Et donc, pour améliorer votre stratégie, il faut changer votre façon de penser et pas la méthode en elle-même. Il faut changer votre gestion de risque,
Il faut changer votre psychologie, votre manière d'aborder les marchés, mais ce n'est pas la méthodologie à changer. C'est vous, encore une fois, parce que 80% du trading, c'est de la psychologie. Et cette partie-là change radicalement les performances d'un trader lorsqu'elles sont bien traitées. Pour finir sur cette vidéo, il faut vraiment comprendre que le trading, c'est pas un jeu, c'est un métier. C'est un métier comme un autre. Il y a des horaires à respecter en fonction de l'ouverture des marchés. Il y a des contraintes à respecter, se limiter en performance positive comme en performance négative lors des moments de perte. C'est un métier où on est indépendant, où on peut jouir finalement de cette autonomie, mais il n'y a pas de secret. Pour réussir en trading, il faut travailler encore et encore et encore. Ne pensez pas qu'il y a une méthode miracle sur Internet. Ne pensez pas qu'il y a un robot de trading qui va littéralement changer vos performances. Ça n'existe pas tout ça. Ce qui existe, c'est vous, votre capacité à être rigoureux, concentré et patient, à construire votre méthodologie, à changer votre mindset et à l'appliquer sur les marchés à chaque fois que vous tradez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un petit pouce bleu si le contenu vous a intéressé, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Très bonne journée à tous, très bon trading à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.